Mesdames et messieurs, le premier module introductif a été consacré sur les raisons de la mobilisation des ressources intérieures. Et le second module que nous vous présentons sera axé ou portera essentiellement sur les sources et le potentiel de ressources intérieures en Afrique. Les sources traditionnelles de ressources domestiques et leur potentiel. Les finances publiques nationales sont essentielles pour fournir des biens et services publics, pour accroître l'équité et aider à gérer la stabilité macroéconomique. Il existe plusieurs sources potentielles de financement intérieur qui pourraient fournir des ressources supplémentaires si elles étaient exploitées correctement. Toutefois, les mesures politiques prises jusqu'à présent pour augmenter l'enveloppe totale des ressources de développement ne tiennent pas suffisamment compte du fait que les pays africains doivent intensifier leurs efforts pour renforcer la mobilisation des ressources intérieures. La croissance économique de l'Afrique s'est stabilisée à 3,4% en 2019. Elle devrait s'accélérer pour atteindre 3,9% en 2020 et 4,1% en 2021. Toutefois, l'épidémie de COVID-19 a déclenché la première récession de la région de l'Afrique subsaharienne depuis 25 ans, avec une croissance prévue entre moins 2,1% et moins 5,1% en 2020. Les fondamentaux de la croissance devront donc s'améliorer avec un passage progressif de la consommation privée vers l'investissement et les exportations. L'investissement doit représenter plus de la moitié de la croissance du continent, la consommation privée représentant moins d'un tiers. En effet, une condition suffisante est que la croissance s'accompagne d'une transformation structurelle à mesure que les ressources passent et des activités à faible productivité et à faible valeur ajoutée à des activités à forte productivité. Des activités à valeur ajoutée qui génèrent des emplois décents. Mobilisation de l'épargne nationale. L'épargne intérieure représente des instruments efficaces pour la mobilisation des ressources intérieures en Afrique. L'épargne de précaution implique que même à un faible niveau de revenus disponibles et en l'absence d'instruments d'épargne attrayants, les ménages pauvres doivent épargner une partie substantielle de leurs revenus. Cependant, la capacité d'épargne est principalement déterminée par le niveau des revenus, le taux de croissance des revenus et le taux de dépendance. En outre, la volonté d'épargner dépend néanmoins de la facilité d'accès aux instruments d'épargne, de l'attrait de ces instruments et des conditions économiques qui prévalent. Les instruments d'épargne des ménages en Afrique se répartissent entre l'épargne non financière, l'épargne financière informelle, l'épargne financière formelle et l'épargne financière semi-formelle. Ainsi, la consommation du portefeuille d'épargne des ménages détermine la disponibilité des fonds pour l'investissement et est donc pertinente pour le développement d'un pays. Les ménages africains, en particulier dans les zones rurales, dépendent des sources de revenus volatiles. L'épargne dans le secteur formel est principalement réalisée à des fins à court terme et ne suscite qu'un intérêt négligeable, tandis que celle du secteur informel est principalement destinée à faciliter la consommation. En l'absence de services de crédit et d'assurance accessibles, le recours aux actifs épargnés est une stratégie nécessaire pour permettre aux ménages de lisser leurs habitudes de consommation. Il semble donc que l'épargne des ménages détenue dans des instruments non financiers et ou informels établit les liens entre l'épargne et l'investissement
compromettant ainsi la diversification économique. Pour remédier à cette situation, le gouvernement africain devait élaborer des stratégies et des mécanismes de finance, de financiarisation de l'épargne des ménages ruraux. Le succès des investissements directs étrangers a des implications importantes pour la croissance et la diversification économique, ce qui renforce la capacité de l'économie nationale à mobiliser des ressources pour l'investissement et une diversification accrue. En conséquence, l'IDE continue d'être le principal vecteur de l'investissement privé. De nouveaux points chauds pour les IDE apparaissent en Afrique. À titre d'exemple, on observe un déplacement significatif des industries extractives vers les secteurs liés à la consommation. Les trois premiers secteurs, technologie, médias et télécommunications, vente au détail et produits de consommation et services financiers, représentent la majeure partie des projets sur le continent. Les projets d'IDE dans le secteur de l'immobilier, de l'hôtellerie et de la construction sont également en augmentation. Les envois de fonds représentent un important apport de ressources pour de nombreux pays africains, mais leur potentiel de développement reste largement inexploité. Les envois de fonds des travailleurs migrants ont considérablement augmenté ces dernières années et constituent aujourd'hui le deuxième flux de capitaux extérieurs vers les pays en développement. En Afrique, les transferts de fonds sont de plus en plus considérés comme des ressources importantes pour le développement, même si les flux enregistrés restent inférieurs à l'aide publique au développement et aux IDE. Pour de nombreux ménages et pays africains, les envois de fonds constituent une source de financement et des devises étrangères extrêmement importantes, contribuant à stabiliser les revenus irréguliers et à constituer un capital humain et social. Les bénéfices des transferts de fonds sont généralement mieux lotis que leurs pairs qui n'ont pas cette source de revenus. Au niveau national, les transferts de fonds ont un effet considérable sur la balance des paiements et sur les recettes en devises. La fiscalité et administration fiscale. La fiscalité est l'une des plus importantes sources de financement public dans les pays en développement. Les impôts sont une source intérieure importante et ont un rôle à jouer qui est distinct et complémentaire du rôle de l'épargne privée. L'Afrique dispose d'un bon potentiel pour tirer davantage de ressources intérieures du système de l'administration fiscale efficace. En effet, les recettes fiscales de l'État constituent la principale source de ressources intérieures pour la mise en œuvre des programmes de développement sur le continent et il existe un potentiel important d'augmentation des rendements. Dans le sillage d'une réduction générale des taxes liées au commerce dans le cadre des directives de l'OMC, l'expansion de la TVA a permis de combler une partie importante de ce manque à gagner et a été plus facile à mettre en œuvre et à administrer que les impôts directs sur le revenu ou les bénéfices. Toutefois, malgré les réformes importantes de la politique et de l'administration fiscale, les résultats de la mobilisation fiscale ont été mitigés, limités par des facteurs structurels tels que le faible revenu par habitant et les très petits assujettis fiscaux malgré les profils de croissance. La quasi-totalité de l'augmentation de la mobilité des recettes fiscales en Afrique a pris la forme d'impôts et d'autres recettes provenant du secteur des ressources naturelles. Marché de capitaux. Les bourses nationales et régionales constituent d'autres sources de financement pour la mobilisation des ressources nationales. Les marchés de capitaux profonds, transparents et accessibles sont un élément vital du secteur financier. En tant que vecteur du financement des investissements à long terme et de diversification des sources de financement, les marchés des capitaux renforcent l'économie dans son ensemble et la rendre plus résistante
face aux chocs économiques. Les marchés de capitaux en Afrique se développent lentement et commencent à jouer un rôle de plus en plus important. En outre, les investisseurs institutionnels nationaux, tels que les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension et les investisseurs privés locaux dominent la base des investisseurs sur le marché des capitaux africains. Les bourses nationales et régionales constituent d'autres sources de financement pour la mobilisation des ressources nationales. Des marchés de capitaux très profonds, transparents et accessibles sont un élément vital du secteur financier. En tant que vecteur du financement à long terme de diversification des sources de financement, les marchés de capitaux renforcent l'économie dans son ensemble et la rendent plus résistante face aux chocs exogènes. Étant donné la faiblesse des sources traditionnelles des ressources intérieures, d'autres sources de ressources intérieures apparaissent désormais comme le nouvel impératif. Les marchés financiers internationaux présentent un réservoir de capitaux largement inexploité pour financer la transformation structurelle du continent africain. Les investisseurs institutionnels ont également le potentiel de fournir une source supplémentaire de financement à long terme. Les obligations de la diaspora sont une source possible de financement pour les pays ayant de grandes diasporas dans le monde. Les économies annuelles des diasporas des pays en développement, qui sont de 400 milliards de dollars américains selon certaines estimations, représentent une source potentielle de financement jusqu'à présent inexploitée pour les efforts de développement. La justification fondamentale de ce mécanisme est que la diaspora achète des obligations émises par son pays d'origine avec une décote patriotique, ce qui signifie qu'elle ne recherche pas une prime de risque aussi élevée que la logique du marché le suggère. Les obligations de la diaspora ont donc un élément de philanthropie puisque la motivation pour les acheter n'est pas uniquement liée à de gains financiers. Dans le même temps, ils vont au-delà de la simple charité patriotique, puisqu'ils permettent de tirer parti de cette philanthropie en un instrument de financement à long terme qui a le potentiel de lever des capitaux importants pour les investissements nécessaires. Les obligations de la diaspora ont donc un élément de philanthropie puisque la motivation pour les acheter n'est pas uniquement liée à des gains financiers. Les fonds souverains. Le principal objectif d'un fonds souverain est de garantir que les ressources d'un pays sont préservées pour les générations futures. Un fonds souverain est également mis en place afin de stabiliser les recettes fiscales et ou en devises et les agrégats macroéconomiques du gouvernement en atténuant les fluctuations des prix des produits d'exportation. En créant des fonds souverains, les décideurs politiques tentent de lisser la volatilité des revenus tirés des ressources en diminuant l'effet des cycles d'expansion et de récession résultant de la volatilité des prix des matières premières. De cette manière, les fonds souverains pourraient être utilisés pour absorber d'importants excédents de change. En outre, les fonds souverains africains peuvent améliorer la productivité et stimuler les investissements intra-africains en allouant une partie de leurs actifs à des secteurs en croissance en Afrique. Aussi, les pays africains peuvent utiliser leurs propres actifs de fonds souverains pour investir dans les entreprises nationales afin de stimuler la croissance et de créer des emplois en stimulant le rôle du secteur privé. Après de nombreuses disputes politiques, le Nigeria a lancé son autorité d'investissement des richesses souveraines en 2012. Annonçant une équipe de direction et un capital d'amorçage de 1 milliard de dollars. En outre, l'Angola a lancé
le Fondo Soberano de Angola, ou FSDEA, en 2012, avec un actif de plus de 5 milliards de dollars et un mandat de promotion du développement économique social. La contribution de l'Afrique pourrait augmenter à l'avenir avec la création de nouveaux fonds souverains, tandis que les fonds existants s'élargiront. La stratégie globale devrait être de convertir les rentes transitoires des ressources en revenus permanents grâce à une mobilisation efficace et efficiente des ressources et à les investir dans les activités qui élargiront et diversifieront la base économique, garantissant ainsi un flux soutenu de recettes fiscales à perpétuité. Les fonds de pension africains offrent une énorme promesse en tant que source continentale de capital d'investissement. Les fonds de pension africains, estimés à plus de 29 milliards de dollars, peuvent jouer un rôle essentiel dans le développement économique de la région. La croissance des industries des fonds de pension africains ouvre une opportunité substantielle pour le développement du secteur financier sur le continent et le développement économique global. Ces ressources nationales peuvent alimenter les investissements dans les entreprises locales, les projets d'infrastructure et les services dont le pays a désemparément besoin pour la transformation et la croissance continue de l'Afrique. Le secteur naissant des fonds de pension sur le continent africain connaît une croissance rapide en taille et en ambition, fruit de la solide croissance économique de la région et des réformes dans un certain nombre de pays. Ces fonds de pension promettent de fournir une source de capital indigène indispensable au développement d'une région qui dépend depuis longtemps de l'aide publique et des investissements directs des sociétés de ressources. Les fonds suscitent l'intérêt des sociétés d'investissement international qui peuvent fournir une expertise en échange d'un accès à des transactions et à des opportunités de co-investissement. Le Nigeria offre un aperçu du potentiel de l'investissement des retraites en pleine croissance dans la région. Les fonds de retraite du pays ont connu une croissance phénoménale depuis que le gouvernement a introduit des réformes à partir de 2006 qui ont transformé un régime à prestations définies, largement non capitalisé, en un système à cotation définie exigeant la participation de tous les employés couverts par des régimes de retraite. Les fonds africains de développement des infrastructures. Le fonds est proposé pour répondre aux besoins des pays qui pourraient ne pas être en mesure de financer leur développement infrastructurel. Cela est d'autant plus nécessaire que la perception du marché du risque élevé dans les infrastructures à long terme signifie que les financiers nationaux et internationaux ne sont pas sans contraintes. En outre, la Banque africaine de développement, les banques régionales et autres banques multilatérales sont également limitées dans leur capacité de prêt. La création d'un fonds africain de développement des infrastructures peut donc être utilisée pour compléter les investissements dans les projets d'infrastructures nationaux et régionaux. Les fonds africains de développement des infrastructures sera mis en œuvre au moment d'un cadre institutionnel qui prévoit un soutien technique et opérationnel commun dans le développement et la mise en œuvre de projets d'infrastructures. Cela réduirait les coûts d'exploitation grâce à la dotation en personnel et aux frais généraux. Le Fonds africain de développement des infrastructures prêtera aux pays africains et aux communautés économiques régionales pour des projets d'infrastructure. Obligation d'infrastructure. L'émission d'instruments de dette à long terme par les pays africains, en particulier leurs obligations d'infrastructure ou lever des fonds pour le développement des infrastructures est relativement nouvelle et seuls quelques pays ont fait des émissions avec plus ou moins de succès. L'Éthiopie,
Le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud font partie des pays qui ont réussi à émettre des obligations. En raison de la maturité à court terme des prêts offerts par le secteur bancaire, ceux-ci ne sont pas adaptés pour financer des investissements à long terme dans le développement des infrastructures. Par conséquent, le développement d'un marché obligataire viable et dynamique est essentiel pour le développement. Modèle de partenariat public-privé. Le partenariat public-privé est un modèle de financement pour un projet d'infrastructure publique tel qu'un nouveau système de télécommunication, un aéroport ou une centrale électrique. Le partenariat public-privé est représenté par le gouvernement au niveau local, étatique et ou national. Le partenariat public-privé est un terme large qui peut s'appliquer à tout, d'un simple contrat de gestion à court terme à un contrat à long terme qui comprend le financement, la planification, la construction, l'exploitation, la maintenance et la cession. Une structure de partenariat public-privé typique peut être assez complexe et impliquer des accords contractuels entre un certain nombre de parties, notamment le gouvernement, le promoteur du projet, l'opérateur du projet, les financiers, les fournisseurs, les entrepreneurs, les ingénieurs, les tierces et les clients. La figure de la diaspora suivante montre une structure de partenariat public-privé simplifiée. Cependant, la structure réelle d'un PPP dépend du type de partenariat. Un large éventail de modèles est aperçu pour permettre la participation du secteur privé à la fourniture d'installations et de services d'infrastructures. Les modèles varient de simples contrats de gestion à court terme à la forme BOT, BULD, à long terme et très complexe jusqu'à la cession. Ces modèles varient principalement selon la propriété des biens d'équipement, la responsabilité des investissements, la prise en charge des risques et la durée du contrat. Les modèles PPP peuvent être classés en cinq grandes catégories dans l'ordre de la participation généralement accrue et de la prise de risque par le secteur privé. Les cinq grandes catégories sont les suivantes. 1. Contrat de fourniture et de gestion. Contrats de gestion permettent de faire appel aux compétences du secteur privé pour la conception et la fourniture de services, le contrôle opérationnel, la gestion de la main-d'œuvre et l'acquisition d'équipements. Toutefois, le secteur public reste propriétaire des installations et des équipements et le secteur privé assume généralement des responsabilités spécifiques liées à un service. Et il ne lui est généralement pas demandé d'assumer un risque commercial. L'entrepreneur privé reçoit une rémunération pour gérer et exploiter les services. Normalement, le paiement de ses honoraires est basé sur la performance. En général, la durée du contrat est courte, généralement de 2 à 5 ans, mais des périodes plus longues sont parfois utilisées pour des installations opérationnelles importantes et complexes, tels que les ports et les aéroports. Nous avons les projets clés en main. La formule clé en main est un modèle traditionnel de passation de marché du secteur public pour les installations d'infrastructures. En général, un entrepreneur privé est sélectionné par le biais d'un appel d'offres. L'entrepreneur privé conçoit et construit une installation pour un prix, un taux ou un coût total fixe, qui est l'un des principaux critères de sélection de l'offre retenue. L'entrepreneur assume les risques liés aux phases de conception et de construction. L'ampleur de l'investissement du secteur privé est généralement faible et à court terme, et dans ce type d'arrangement, il n'y a généralement pas de forte incitation à l'achèvement rapide d'un projet. Ce type de participation du secteur privé est généralement connu sous le nom de conception-construction. Le troisième type d'accord est l'affermage ou la location.
Dans ce type d'accord, un opérateur titulaire du bail, responsable de l'exploitation et de l'entretien de l'infrastructure et des services, mais généralement, l'opérateur n'est pas tenu de faire de gros investissements. Dans un tel cas, la durée du contrat est généralement beaucoup plus longue et le secteur privé est tenu de réaliser un niveau d'investissement important. Le quatrième type de contrat est la propriété privée des actifs. Dans ce type de participation, le secteur privé reste responsable de la conception, de la construction et de l'exploitation d'une infrastructure et, dans certains cas, le secteur privé peut renoncer au droit de propriété des actifs au profit du secteur privé. Enfin, la cinquième forme de contrat est la concession. Et dans cette forme de partenariat public-privé, le gouvernement définit et accorde des droits spécifiques à une entité pour construire et exploiter une installation pendant une période de temps déterminée. Le gouvernement peut conserver la propriété finale de l'installation et ou le droit de fournir les services. Toutefois, ce modèle est souvent compliqué en combinaison avec d'autres modèles tels que le modèle construction-réhabilitation-exploitation BOT, BROT. Dans ce type d'arrangement, les risques d'exploitation et d'investissement peuvent être substantiellement transférés aux concessionnaires. Dans les concessions, les paiements peuvent se faire dans les deux sens. Le concessionnaire paie au gouvernement pour les droits de concession et le gouvernement peut également payer le concessionnaire ce qu'il prévoit dans le cadre de l'accord de remplir certaines conditions spécifiques. Habituellement, ces paiements par le gouvernement peuvent être nécessaires pour rendre les projets commercialement viables et pour réduire le niveau de risque commercial pris par le secteur privé, en particulier au cours des premières années d'un programme de PPP dans un pays où le secteur privé ne peut pas avoir suffisamment confiance pour entreprendre une telle entreprise commerciale. Les périodes de concession type varient entre 5 et 50 ans. Dans le cadre d'un accord de franchise, le concessionnaire fournit des services qui sont entièrement spécifiés par l'autorité de franchise. Le secteur privé assume les risques commerciaux et peut être amené à faire des investissements. Cette forme de participation du secteur privé est historiquement populaire dans la fourniture de services d'autobus ou de trains urbains. La franchise peut être utilisée pour des lignes ou des groupes de lignes sur une zone contiguë. Caractéristiques de base du BOT. Dans un accord de type construction, exploitation, transfert, construction, réhabilitation, transfert, le concessionnaire réalise des investissements et exploite l'installation pendant une période de temps déterminée, après quoi la propriété revient au secteur public. Le partenaire du secteur public conçoit et construit l'infrastructure pour répondre aux spécifications du partenaire du secteur public, souvent pour un prix fixe. Le partenaire du secteur privé assume tous les risques, contrat d'exploitation et de maintenance. Le partenaire du secteur privé sous contrat exploite un actif appartenant au secteur public pendant une période déterminée. Le partenaire public reste propriétaire des actifs. Conception, construction, finance, exploitation, DBFO. Le partenaire du secteur privé conçoit, finance et construit une nouvelle composante de l'infrastructure et l'exploite ou l'entretien dans le cadre d'un bail à long terme. Le partenaire du secteur privé transfère la composante infrastructure au partenaire du secteur public lorsque le bail arrive à l'échéance. Construire, posséder, exploiter. Le partenaire du secteur privé finance, construit, possède et exploite la composante infrastructure à perpétuité. Les contraintes du partenaire du secteur public sont énoncées dans l'accord initial et par l'intermédiaire de l'autorité réglementaire en vigueur.
construire, posséder, exploiter et transférer. Dans ce cadre de contrat, le partenaire du secteur privé est autorisé à financer, concevoir, construire et exploiter un élément d'infrastructure pendant une période déterminée, après quoi la propriété est rétrocédée au partenaire du secteur public. Quant au contrat achat, construction, exploitation, c'est un actif public légalement transféré qui est légalement transféré à un partenaire du secteur privé pour une période déterminée. Construction, location, exploitation, transfert. Le partenaire du secteur privé conçoit, finance et construit une installation sur un terrain public loué. Le partenaire du secteur public exploite l'installation pendant toute la durée du bail du terrain. À l'expiration du bail, les actifs sont transférés au partenaire du secteur public. Licence d'exploitation. Dans ce cas de contrat, le partenaire du secteur privé se voit accorder une licence ou une autre forme d'autorisation légale pour exploiter un service public, généralement pour une durée déterminée. Finance uniquement. Dans ce type de contrat, le partenaire du secteur privé, généralement une société de services financiers, finance la composante infrastructure et fait payer aux partenaires du secteur public des intérêts pour l'utilisation des fonds. La création d'un véhicule à usage spécial ou véhicule de projet est une caractéristique essentielle de la plupart des partenariats public-privé. Le véhicule de projet spécialisé est une entité juridique qui entreprend un projet. Tous les accords contractuels entre les différentes parties sont négociés entre elles et le spécial ou véhicule de projet. Les structures ad hoc sont généralement un mode privilégié de mise en œuvre des projets de partenariat public-privé dans des situations limitées ou sans recours, où les prêteurs comptent sur la trésorerie du projet et la sécurité de ses actifs comme seul moyen de rembourser les dettes. La figure suivante montre une structure de partenariat public-privé simplifiée. Toutefois, la structure réelle d'un PPP dépend du type de partenariat. Une entreprise commune est une société d'exploitation appartenant à une entité gouvernementale et à une société privée ou à un consortium de sociétés privées. Souvent, la SPV est formée comme une joint venture entre une société de construction expérimentée et une société d'exploitation de services capable d'exploiter et d'entretenir le projet. Outre son intérêt stratégique, financier et économique, le gouvernement peut également souhaiter participer directement à un projet de partenariat public-privé. Les principales raisons d'une telle participation directe sont les suivantes. Répondre à une sensibilisation politique et remplir des obligations sociales. Assurer la viabilité commerciale. Donner plus de confiance aux prêteurs. Ou avoir une meilleure connaissance pour protéger l'intérêt public. Les ressources potentielles de l'Afrique. Le potentiel de l'Afrique est énorme et confirme avec force que le continent a les moyens de financer son propre développement. Les preuves à cet effet sont notamment les suivantes. Les pays africains prélève chaque année plus de 520 milliards de dollars américains sur leur impôt intérieur, contre 59 milliards de dollars américains que le continent reçoit en flux privé et 50 milliards de dollars américains en aide publique au développement. L'Afrique gagne plus de 168 milliards de dollars américains par an grâce aux minéraux et aux combustibles minéraux et dispose de plus de 400 milliards de dollars américains de réserves internationales détenues dans ses banques centrales ou réserves nationales.
Les envois de fonds de la diaspora africaine, ont atteint 40 milliards de dollars US en 2012 et représentent une part importante du total des envois de fonds mondiaux qui s'élève à 351 milliards de dollars US pour l'année. La Banque mondiale a estimé qu'au cours de la prochaine décennie, les montants envoyés par la diaspora africaine pourraient atteindre 200 milliards de dollars américains. L'Afrique a le potentiel de lever entre 5 et 10 milliards de dollars américains par an sur le marché international de capitaux grâce à la titrisation des transferts de fonds de ses communautés de la diaspora. La capitalisation boursière en Afrique est passée de 300 milliards de dollars américains en 1996 à 1,2 milliard de dollars, à 1,2 trillion de dollars US en 2007, soit 1 200 milliards de dollars. Quelques 39 pays africains émettent des bons de trésor et 27 autres offrent des bons de trésor. Avec plus de 700 obligations, d'une valeur de 206 milliards de dollars américains émises par les pays africains en décembre 2011, l'émergence des pays obligataires respectables est à portée de main. Les revenus des banques sont estimés à environ 60 milliards de dollars américains et le secteur bancaire dispose d'une grande liquidité. Pas moins de 10 pays africains ont créé des fonds souverains. Le marché de capital investissement en Afrique représente environ 30 milliards de dollars américains. En 2011, les sociétés de capital investissement ont levé 1,5 milliard de dollars américains pour des transactions en Afrique. Les institutions financières africaines de développement régional disposent de plus en plus de capacités pour financer des projets transfrontaliers dans le cadre de l'intégration régionale. Les recettes bancaires sont estimées à 60 milliards de dollars sur l'ensemble du continent. Tous ces éléments, parmi d'autres, indiquent des ressources financières qui pourraient être mobilisées pour soutenir les programmes et projets de développement nationaux et régionaux si des instruments appropriés sont déployés. Étant donné le potentiel des ressources de ces sources de financement de développement, et les performances encourageantes de certaines d'entre elles à ce jour dans le contexte où elles ont été appliquées, il est évident qu'au cours de la prochaine décennie, l'Afrique pourrait répondre de manière robuste à une partie considérable de ses déficits en matière d'infrastructures qui se situent aujourd'hui entre le continent et l'avancement de ses économies au niveau des revenus moyens. À titre d'exemple, vous avez dans la diapositive, sur cette diapositive, le potentiel des ressources, les différents potentiels de ressources de l'Afrique. Les recettes fiscales qui s'élèvent à environ 520 milliards par an. Des réserves internationales, 400 milliards de dollars. Des frais excédentaires de transfert de fonds de la diaspora, 2 884 milliards de dollars. Des revenus des banques, 60 milliards, etc. Accord de libre-échange continental africain, l'ECAF, mobilisation des ressources intérieures. L'accord de libre-échange devrait déboucher sur un marché continental unique qui autorise les quatre libertés et ouvre la voie à l'expansion du commerce intra-africain à une plus grande harmonisation, à la compétitivité et à une meilleure allocation des ressources. Pour réaliser tout cela, un processus rigoureux de négociation est en cours. Il n'est pas une tâche facile car il existe des dynamiques différentes entre les pays africains en termes de niveau de développement qui peuvent avoir des effets polarisants. Il est en outre avancé que la réussite de l'intégration régionale nécessite un soutien important du secteur privé, au moins un gouvernement pour s'approprier le processus et un nombre réduit d'acteurs. La TVA comme taxe de remplacement à la perte de recettes des taxes commerciales.
Contrairement aux contraintes de nombreux États membres de l'Union africaine, il est de l'Union africaine autant pour moi, il est prévu que la réduction de, ou l'élimination des droits de douane entraînera une augmentation et servira à élargir l'assiette fiscale dont découleront davantage de recettes fiscales. En outre, l'accord de libre-échange de l'Afrique a le potentiel de créer des échanges commerciaux qui pourraient à terme augmenter l'assiette fiscale et le bien-être des populations. La création commerciale est atteinte lorsque le volume des produits échangés augmente en raison de l'union douanière, ce qui, globalement, augmente la consommation totale sur le marché intérieur. Simultanément, cela devrait entraîner une réduction des prix des biens qui sont en abondance sur le marché intérieur, offrant ainsi aux consommateurs la possibilité de choisir les produits nationaux les moins chers plutôt que les produits importés. Par conséquent, à moyen et à long terme, une intégration régionale plus poussée par le biais de la ZLECAF peut contribuer à promouvoir la production locale et à stimuler la mobilisation des ressources intérieures en Afrique. La TVA devait être utilisée comme une taxe de remplacement pour atténuer les pertes de recettes dues aux taxes commerciales. La TVA est un candidat probable pour ce rôle, principalement parce qu'il s'agit d'une taxe à la consommation à large assiette et là encore en raison de son étiquette de machine à faire de l'argent. Par conséquent, il est impératif qu'à mesure que l'Afrique s'intègre davantage, la force de la TVA en tant que taxe de remplacement possible soit explorée tout en atténuant sa nature régressive. En outre, la nature transfrontalière de la TVA et son application dans le commerce électronique devaient également être exploitées afin de maximiser la collecte des recettes par le biais de la TVA. Harmonisation des politiques fiscales. Pour que l'Afrique s'intègre davantage jusqu'à l'établissement de l'union douanière et plus tard d'une union monétaire, un niveau insuffisant d'harmonisation de la politique fiscale entre les pays, entre les États membres, peut compromettre considérablement l'ensemble du processus d'intégration. Les impôts étant un symbole de souveraineté, les États membres seront à juste titre réticents à renoncer à l'indépendance fiscale, ce qui compromettra les étapes ultérieures de l'intégration africaine. La réussite de l'harmonisation des principales politiques fiscales dans le cadre de la ZLECAF sera accrue pour l'intégration africaine dans son ensemble. L'harmonisation des politiques fiscales est également importante pour la suppression des distorsions fiscales, l'amélioration du climat d'investissement et enfin, de compte, la réalisation de la croissance économique. Plus importante encore, l'harmonisation des politiques fiscales a un grand potentiel de limitation de la concurrence fiscale et des pratiques fiscales dommageables de divers pays dans le but d'attirer des investissements directs étrangers. Fiscalité du commerce électronique de l'économie numérique. L'absence de règles sur le continent pour taxer les entreprises hautement numérisées pourrait coûter aux pays africains des millions de dollars en recettes fiscales, beaucoup de ces entreprises ayant vu leurs bénéfices augmenter de manière significative pendant la pandémie de COVID. Les pays africains devront peut-être envisager d'introduire des règles provisoires unilatérales pour taxer les entreprises hautement numérisées. Le protocole de la ZLECAF sur le commerce électronique qui doit être négocié pourrait s'inspirer des travaux en cours de la TAF sur le sujet pour élaborer une réglementation unifiée sur le commerce électronique. Cette réglementation peut être utilisée comme un outil pour approfondir les intégrations africaines tout en préservant les recettes fiscales dont l'Afrique a tant besoin. Cela aiderait également l'Afrique à parler d'une seule voix sur les questions relatives à la fiscalité de l'économie numérique. En conclusion, la fiscalité est réellement importante pour l'intégration de l'Afrique et peut être utilisée pour accélérer la mise en place de la zone de libre-échange de l'Afrique
en tant qu'outil permettant d'amortir les pertes de recettes provenant des taxes commerciales et d'approfondir l'intégration en harmonisant les politiques fiscales au stade de l'union douanière de l'intégration régionale. Ainsi, si la zone de libre-échange est mise en œuvre avec des politiques fiscales saines et harmonisées, le rendement global des recettes peut être préservé et la zone de libre-échange peut facilement être accélérée. Il est donc important que l'Union africaine travaille en étroite collaboration avec les communautés économiques régionales et les institutions et organisations internationales travaillant sur la fiscalité en Afrique, telles que la TAF et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, afin d'exploiter des moyens efficaces et effectifs de tirer parti de la fiscalité pour parvenir à une intégration plus poussée de l'Afrique. Cela peut aider le plan de l'Union africaine et établir des réglementations fiscales pour faire face aux défis fiscaux potentiels en Afrique, tels que l'imposition de l'économie numérisée et l'imposition des bénéfices des sociétés multinationales qui jouissent d'un degré élevé de mobilité financière. Autre source, argent volé, quantification et preuve. Le recouvrement international d'avoirs est tout effort des gouvernements pour rapatrier le produit de la corruption cachée dans les juridictions étrangères. Ces avoirs peuvent comprendre des fonds sur des comptes bancaires, des biens immobiliers, des véhicules, des œuvres d'art et des artefacts, ainsi que des métaux précieux. Le recouvrement d'avoirs fait référence à la récupération des produits de la corruption plutôt qu'à des termes plus larges tels que la confiscation d'avoirs ou la confiscation de biens qui font référence à la récupération des produits ou des instruments de crime en général. Souvent utilisé pour souligner les aspects multijuridictionnels ou transfrontaliers d'une enquête de corruption, le recouvrement international d'avoirs comprend de nombreux processus tels que le dépistage, le gel, la confiscation et le rapatriement des produits stockés dans les juridictions étrangères, ce qui est en fait l'un des projets les plus complexes dans le domaine du droit. Les chefs des agences de lutte contre la corruption en Afrique ont récemment exhorté les chefs d'État, les chefs de gouvernement d'Europe, d'Amérique et d'autres juridictions à rapatrier rapidement les fonds volés retrouvés dans les pays africains. Leur appel a été repris dans un communiqué publié à l'issue de la 9e conférence régionale du Commonwealth des agences de lutte contre la corruption en Afrique qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda. Ils ont également enjoint les chefs de gouvernement et les agences africaines de lutte contre la corruption du Commonwealth d'engager et de donner aux citoyens les moyens d'exiger la transparence, la responsabilité et une présentation de services efficaces. La rétention des avoirs volés en Afrique est devenue un point sensible dans les relations entre l'Afrique et les pays d'Europe et d'Amérique. Il est immoral pour ces pays de garder dans leur coffre les avoirs volés à l'Afrique tout en employant diverses tactiques pour contrecarrer les tentatives de les restituer à l'Afrique. C'est dans ce contexte que l'action des agences anti-corruption en Afrique pour récupérer les richesses volées est opportune et appropriée. La récupération des avoirs rendue difficile par la complicité des banques concernées, la navigation dans un labyrinthe juridique international coûteux et le fait que les personnes les plus impliquées dans le pillage public ont généralement le plus de pouvoir et d'influence. Le rapatriement des fonds volés permettra de remédier au fléau actuel, à la pauvreté et au sous-développement en Afrique. Au Nigeria, il est prévu de distribuer 322 millions de dollars américains récupérés en Suisse auprès du feu le général Sani Abacha, l'ancien chef militaire du pays. Abacha est soupçonné d'avoir pillé entre 2 et 5 milliards de dollars de fonds publics.
Lorsque les institutions de responsabilisation ne fonctionnent pas bien, le terme affaire pose un problème complexe. Comment s'assurer que l'argent n'est pas détourné à nouveau et qu'il profite réellement aux véritables victimes de la corruption, les gens ordinaires dont les finances publiques ont été pillées. En 2006, autant pour moi, 723 milliards de dollars américains acquis illégalement par la famille d'Abacha ont été restitués au Nigeria depuis la Suisse. Le Nigeria a récupéré plus de 311 millions de dollars américains et de jersey sur les fonds prétendus volés par l'ancien dirigeant militaire du pays, le général Sani Abacha. Cela a été révélé par le bureau du procureur général le lundi 4 avril 2020. Durant l'ère Abdul Salam, en 1979, 750 millions de dollars ont été récupérés. Sous l'administration Obasanjo, 1,2 milliard de dollars ont été récupérés en 2002. 149 millions de dollars de l'île de Jersey au Royaume-Uni en 2003. 500 millions de dollars récupérés en 2004 de la Suisse et 458 autres millions de dollars récupérés en 2005 de la Suisse. Sous l'administration Jonathan, 1 milliard de dollars a été recouvré en 2012 et 380 millions de dollars en 2015, deux tranches provenant de la Suisse. L'administration Jonathan a également récupéré 227 millions de dollars auprès de Liechtenstein en 2014 et 48 milliards de dollars auprès des États-Unis la même année. Le gouvernement de Buhari a récupéré 322 millions de dollars auprès de la Suisse en 2017 et 308 milliards de dollars auprès de l'île de Jersey au Royaume-Uni en février 2020, ce qui est le plus récent. Sur les quatre pays, la Suisse est en tête de liste des recouvrements. Au total, environ 2,6 milliards de dollars de fonds rapatriés jusqu'à présent au Nigeria provenaient de la Suisse, tandis que les autres recouvrements ont été effectués par le Royaume-Uni et les États-Unis. Question pour la réflexion, telle que nous l'avions fait pour le module 1, voici quelques questions sur lesquelles nous attendons vos contributions et vos apports également. Nous vous remercions.